Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? Est-ce que c'est un animateur d'une paroisse? Bien sûr qu'il anime aussi, mais les animateurs des laïcs, hommes ou femmes, des diacres peuvent être animateurs de paroisse, c'est pas besoin de prêtre. C'est un organisateur. Tout le monde peut organiser la paroisse, vous faites des réunions, vous faites ceci, cela. C'est beaucoup plus que cela. Le prêtre, il est appelé et consacré par une ordination, pour être le signe de la prière et le sacrement, c'est-à-dire un signe efficace de la présence de Jésus comme pasteur, le pasteur qui rassemble son peuple, qui le conduit, qui le nourrit. Et il est ainsi l'homme de la communion. Il nourrit en célébrant l'Eucharistie, en donnant la parole de Dieu, en donnant les autres sacrements. Il est ainsi l'homme de la communion. Alors il peut être grand, petit, noir, blanc, jaune, sympathique, moins sympathique, jeune, vieux, tout ça est secondaire. Oh bien sûr, on va trouver celui-ci plus sympa, l'autre moins sympa, on aime mieux l'autre, tout ça, c'est humain, c'est tout à fait secondaire. Ce qui nous est demandé, c'est le regard de foi. L'Église ne se donne pas à elle-même l'Eucharistie, elle ne se donne pas la vie de Dieu, elle la reçoit. Et alors, le prêtre, quel qu'il soit, même le prêtre pécheur, hélas, nous sommes aussi des pécheurs, prêtres et évêques, eh bien, il faut que nous conformions notre vie le plus possible à l'Évangile, évidemment. Nous ne sommes pas encore parfaits. Eh bien, de prêtre, il est là pour signifier que c'est Jésus qui nous rassemble. Ce n'est pas nous parce qu'on a décidé qu'on s'entend tous très bien et qu'on a un programme commun. Ce n'est pas du tout ça. Mais nous ne sommes pas un regroupement de partis politiques qui s'entendent, que sais-je. Mais parce que c'est le Christ qui nous rassemble. Et le prêtre, par son ministère, il est chargé de nous rappeler tout cela. Alors, dans cette mission du prêtre, de tous les temps, même si les styles changent complètement, je le disais, le père Blanchard, le curé d'Ars, et le style des prêtres d'aujourd'hui, c'est pas la même chose, évidemment. Mais il y a cette réalité dans la vie d'un prêtre. Il est prêtre par amour de Dieu et par amour des gens. Ça va prendre des formes différentes, mais ça c'est capital. Et voilà, si nous évoquons le père Blanchard comme homme de prière, homme d'étude aussi pour pouvoir transmettre aux autres ce qu'il a médité, ce qu'il a découvert dans la parole de Dieu. Monseigneur Vaudrey, son biographe, disait en écrivant qu'il avait devant lui, devant les yeux, plusieurs sermons du père Blanchard. Alors, il paraît qu'on en a découvert récemment, qu'il y en a beaucoup, qu'il faut les traduire, ils avaient disparu, est-ce que c'est ceux-là le montrer avec, je ne sais pas. En tout cas, il disait, ce sont les précieux témoins de la foi du père Blanchard, de sa science théologique, de son zèle pour le salut de tous, autrement dit, de son amour de Dieu, qu'il méditait dans la parole, dans la prière, et qu'il transmettait, parce qu'il y avait aussi la deuxième qualité que j'évoquais, l'amour des gens. Un prêtre, c'est quelqu'un qui aide son peuple. Il a aimé dans tous ses ministères avant de partir à Colmignon en Allemagne, et puis après, quelques temps à Rochette, et puis les quelques années ici, très courtes finalement, 7 ans. Une attention aux personnes. Le prêtre qui est attentif aux personnes, dans la mesure du temps qu'il dispose vraiment, parce qu'il y a du monde, c'est pas toujours facile, mais ça c'est très important. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une dame qui m'a dit, vous savez, nous avons un curé formidable. Il organise des choses, il a plein d'idées, il se dit nous à fond, tellement dévoué que j'ai même peur pour sa santé à certains moments. Mais je me pose une question, est-ce qu'il aime les gens? Alors je lui dis à cette dame, comment vous comprenez ça? Mais elle me dit, oui, il se découvre, il fait un tas de travail, mais il n'a pas une minute pour parler avec une personne. Moi j'avais mon mari très malade, il aurait pu me demander des petites choses, ouais, des petites choses. L'amour des gens, ça passe par les petites choses. Pas simplement un grand dévouement. Voilà, l'amour de Dieu, l'amour des gens, voilà ce que les prêtres de toujours sont chargés de nous rappeler aussi. Les prêtres de toujours. Attentifs aux personnes dans les moindres choses. On raconte cet épisode du père Blanchard, ça indique pour l'époque, évidemment, s'il faut mettre dans le contexte, mais attention aux personnes, vous savez qu'il prêchait dans l'église et puis il n'y avait qu'une personne. Et Saint-Christin l'avait un peu assez, il dit, bon, écoutez, moi je m'en vais, et puis
Bernard Shaw lui a dit, mais si vous n'aviez qu'une brebis, vous ne donneriez pas à manger. Hein? On ne calcule pas sur le monde d'abord, hein? Mais sur les personnes, le respect des personnes. Voilà. Cette attention. Voilà. Donc, il me semble que des pères Blanchard, des Jean-Marie Vianney, il y en a dans toutes les époques. Certains sont reconnus, sont même voilà, reconnus officiellement par l'Église, d'autres moins, sont connus localement. Il y en a d'autres, c'est des événements qui les mettent un peu sur le devant de la scène, comme le père Abel, là, qui a été donc, assassiné dans son église par des terroristes l'année dernière. C'est un trait tout simple qui aimait Dieu et les gens, mais nous, on est en train de le découvrir. Je pense qu'il y en a des centaines, avec leurs défauts, leurs limites, évidemment, mais aussi amour de Dieu, amour des gens. Je crois que nous avons à dire merci pour le ministère des prêtres, à demander pardon quand il y a des prêtres qui ont des défauts limites, et parfois, hélas, des scandales, c'est vrai, tout à fait inadmissible. Mais voilà, globalement, l'ensemble des prêtres de tous les temps portent cet amour de Dieu et cet amour des gens. Et donc nous sommes appelés à regarder le prêtre, le ministère du prêtre, avec la foi. Si, comme je le disais, c'est pas simplement un organisateur, mais quelqu'un qui a un signe, malgré ses faiblesses, ses limites, son tempérament, son âge, donc le signe du Christ pasteur, ça veut dire qu'il faut que je sois là pour l'aider à être ce Christ pasteur, et que je bénéficie de son ministère. Alors on peut se poser la question, là, pourquoi maintenant il y a si peu de vocation? Écoutez, il faut être très clair, à mon avis, c'est que s'il y a peu de vocation, c'est parce qu'il y a peu de chrétiens. C'est ça la réalité. À nous de demander si, plutôt que de juger les autres qui peut-être ne participent plus à la vie de l'Église, à nous-mêmes, est-ce que je suis un chrétien qui donne envie de suivre le Christ? Car en définitive, pour vouloir être prêtre aujourd'hui, un jeune, c'est qu'il est fasciné par la personne de Jésus, du Christ. C'est pas pour se dévouer, il n'y a pas besoin d'être prêtre pour se dévouer, pas besoin d'être religieux pour se dévouer. Vous vous dévouez, comme je pense, dans vos familles, là où vous êtes. Mais là, c'est être fasciné par le Christ à tel point pour accepter d'être le signe du Christ pasteur. Alors évidemment, il y a une certaine opinion publique, bien soutenue par un certain nombre de nos journalistes, qui nous dira « si les prêtres étaient mariés, il y en aurait beaucoup plus ». Permettez-moi de vous dire que je ne le crois pas. Il y en aurait quelques-uns de plus. Je pense qu'il y a des hommes qui renoncent à avancer dans le sacerdoce parce qu'ils disent « moi, je ne peux pas vivre le célibat ». Donc c'est vrai, il y en aurait quelques-uns. Mais n'oublions pas que s'il y a peut-être un jour les hommes mariés ou les prêtres, il ne faut pas oublier la deuxième personne, c'est-à-dire la femme du prêtre, qui doit aussi avoir une certaine vocation, pas pour mettre la femme dans l'ombre, mais pour être avec lui. Ce n'est pas si simple. Je connais un certain nombre de femmes de prêtres en Grèce et en Russie, je suis en admiration. Et puis il y aura toutes les questions financières pour éduquer la famille, etc. Je dis simplement que oui, bien sûr, la question n'est pas là, que de nouveau la question est la question de la foi. Est-ce que nous croyons que le Christ est vivant? Est-ce que nous croyons qu'il nous rejoint dans son Église? Est-ce que nous croyons que pour nous rejoindre, nous avons besoin du ministère du prêtre? Est-ce que nous croyons que le Christ peut fasciner des jeunes aujourd'hui pour les appeler au sacerdoce? Évidemment, quand nous avons un très grand nombre de familles, enfin très grand nombre, un certain nombre de familles qui font encore baptiser leurs enfants, très peu leur parlent de Jésus. C'est tout à coup au catéchisme, ils arrivent, ils n'ont jamais entendu parler. Alors que si ça ne commence pas dans la petite enfance, avec respect bien sûr, parler du Christ, et comment dans une famille, ou même dans une famille, dans les discussions, comment est-ce qu'on parle des prêtres? Qu'est-ce qu'on en dit? Tout ça va compter. Alors il y aura nos prières, évidemment. Non pas pour dire « donnez-nous des prêtres », à Dieu il le sait bien qu'on a plein de prêtres. Mais si nous exprimons nos prières et demandes, ça veut dire que nous reconnaissons que nous en avons besoin. Voilà. Et puis alors, donc en famille, le catéchisme, etc. Et puis au quotidien maintenant, ça c'est le grand changement aussi par rapport au temps du Père Blanchard, surtout depuis le Concile. Notre Église est une Église de communion où tous les vocations, services, ministères collaborent. Le prêtre a un ministère spécifique. Mais les laïcs, vous avez les ministères des services, il y a le ministère du diacre, celui de l'évêque pour l'ensemble d'un diocèse. Et tout ça collabore, si c'est une vraie collaboration, pas seulement rendre service à M. le curé, parce qu'il a beaucoup de travail. C'est gentil ça, c'est du dévouement, c'est plus que ça. C'est dire tous,
baptisés et confirmés, nous avons reçu le Saint-Esprit, chacun pour sa vocation, le prêtre pour la sienne, les laïcs pour la leur, etc. Et nous collaborons, nous mettons en commun les dons que nous avons reçus de la part du Seigneur pour remplir notre ministère et notre vocation. Alors je ne sais pas, je termine avec ceci, je ne sais pas si ma citation est exacte du Père Blanchard, mais on me le dira après, je pense que c'est lui qui l'a dit, qui l'a même écrit. Je vous invite à continuer, je m'invite, nous, nous invitons à continuer à avancer sur la route d'aujourd'hui. Nous sommes sur une route où nous avons un guide, c'est le Christ, et il nous demande de vivre son évangile. C'est cette manière-là que nous serons l'Église et que nous pourrons peut-être, si le Seigneur le veut, susciter diverses vocations. Et donc il faut avancer, ne pas s'installer dans la foi chrétienne, ben non, tout va bien. Seulement je fais moi la personne, hein. Je vais à la messe le dimanche, puis j'envoie un chèque à la Caritas, ça tout va bien. C'est un peu court comme vie chrétienne, vous savez. Il y a même une dame qui est allée se confesser, qui dit, je ne vois pas bien ce que je peux vous dire, je n'ai rien fait de mal, je ne vois pas, aidez-moi, que dit au prêtre. Le prêtre qui l'a raconté, c'est le prêtre dit, ben, je ne sais pas comment, le péché c'est un manque d'amour, est-ce qu'on manque d'amour envers Dieu, envers les autres, avec vos voisins, par exemple, comment ça. Oh ben ça va très bien, je ne repose pas. Eh bien oui, on en arrive à ces caricatures de vie chrétienne. À ces caricatures de vie chrétienne. Le Seigneur nous demande d'avancer. Je crois que pour un chrétien, c'est partout stationnement interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accueille les événements, on prie le Seigneur pour porter les événements, on essaie de vivre sa foi proprement, avec nos limites et nos péchés. Mais on avance, on ne reste pas en place, on ne reste pas avec dans la tête ce qu'on a appris le catéchisme quand on avait 12 ans. Allez, on avance. On s'informe, on s'avance. Et donc ma citation c'est celle-ci, je ne sais pas, le Père Blanchard aurait dit, ne pas avancer, c'est reculer. C'est ça? Oui, c'est une citation extraite. Ne pas avancer, c'est reculer.